D'implémenter ça quand il y a du le chat, quand il y a du gros plein écran, bonsoir d'accord, ça fait pas mal, je crois que j'ai pas trop de l'affichage du message, histoire que ça fait pas trop sur le temps. Ça m'a l'air pas mal, il y a un jour que des voice tweets là. Là, j'ai vachement calmé la musique au clavier. Le jeu aussi, il faut que vous l'entendiez. Là, on m'entend courir normalement. Enfin, j'ai peut-être pas mis à fond le... Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Mon dieu, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça sur lui. Oh mon dieu. On récupère... Ah oui, c'est la tête, c'est un peu fait, c'est vrai. J'ai pas l'air con avec la tête de lézard. Hein. Avec les... Bon, j'ai mis en pacifiste, hein, il n'y aura pas de monstre. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, comment dire, ça vous divulguera pas. Mon micro est faible. Mon micro est faible. Mon micro est faible. Alors là, attends, je m'approche. Je ne tiendrai pas assez près de mon micro. Est-ce que j'ai baissé le son du microphone? Ça ne bougeait pas. Je vais voir dans la technique du coup.
Alors attends. Là, je parle du bien appuyé dans mon siège, bien installé. Et on m'entendrait pas assez fort, surprenant. Que me dit le voice maker? Ah oui, c'est peut-être mieux comme ça. J'avais pas vu que j'avais une atténuation de 10 décibels. Tu m'étonnes. Ouais, je peux faire comme ça. Là, à mon avis, ça doit être mieux. Que je vous lise dans le chat, que je retourne dans le jeu. J'ai mis le mode troisième âge, c'est écrit en gros. Ouais, alors, tu sais que c'est super... la belle voix du streamer français, merci. Oui, alors j'ai galéré, et je veux pas perdre trop de temps non plus à ça. Comme tu dis, version troisième âge. Mais en fait, il est chiant quand tu veux le déformer. Ils disent que tu dois faire 800 sur 600 au niveau de la résolution de l'interface de chat, là, quand je vous l'affiche en beau, en propre. J'ai voulu le torturer. J'ai vu que je pouvais aller en longueur jusqu'à 4096, donc un multiple de 16 ou 64, si vous préférez, purement informatique. Ah, nouvel animal découvert, le lapinou. C'est rigolo de le voir gambader. Bref. Oui, j'arrive pas... Au début, je voulais faire une belle ligne en bas de l'écran, là où il y a le Winamp, vous voyez le lecteur multimédia. Et tout le reste de l'espace en bas, je voulais mettre le texte Wisebot. Les messages écrits. Et j'ai pas réussi à faire un truc correct. Donc je vais voir si je peux bidouiller, faire quelque chose de plus propre. En même temps, là, vous voyez, vous êtes correct dans le sens où vous faites des petites phrases. Moi, je fais des phrases, vous savez, des pavés, des trucs vachement longs. Alors si vous faites par exemple le jeu de la pêche ou le point d'exclamation GT pour une bagnole, déjà vous allez voir que ça va prendre plus de place. D'ailleurs, même moi, je devrais pouvoir le faire si j'ai pas d'annerie. Si je fais, regardez, si je fais GT pour moi, je fais de la mouise, tout va bien. La 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 la. Oui, je fais de la mouise complète. Les tablettes, c'est pas pour moi. La 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 la. Ça, et les téléphones, ça m'énerve. Les contactiles, j'ai un mal de fou. Là, on voit. Voilà, j'ai dit, on voit rien du tout. J'étais en train de flipper. Ouais, là, ça fait énorme le truc, je suis d'accord. Attendez, un beau paysage qui va être forcément flouté. Mais je peux faire autrement parce qu'il faut que je perde le focus, comme on dit. OBS, alors attends voir. Le coup du chat dans ce 16/9e. Le chat dit en une... Et j'avais mis quoi? Attends, je relis déjà mes réglages. Hic, pardon. J'ai mis 800 sur 256. Ou alors... Ah, le truc peut-être pas con. C'est peut-être pas dans OBS qu'il faut que je change. Mais je vais peut-être changer dans l'interface... de Wisebot. Alors attendez, pardon, je vous lis plus pendant un petit moment parce que du coup j'ai le pif dans mon truc technique. Le fondu, le nom du spectateur. Ah oui, je pourrais même faire des beaux trucs. Bon, là je laisse comme ça. Je changerai peut-être la police de caractère. Attends, je mets en 1,5 pour les... Et le texte, je vais mettre en plus petit. Après le crash fouillé, le sac marin. Oui, et tu sais, le jeu là, je peux me vanter d'avoir. De l'avoir fait à 100% littéralement. Ouais, j'ai changé là, j'ai fait 1,5%. À mon avis, le prochain texte. Merci pour le pavé, hein. J'espère que c'est un copier-coller, pardon, parce que je risque de casser le.
À part ça, j'espère que vous allez bien, les copains. Tac, tac. Attends, je refais un test de hop de truc GT. Bah, ça m'a l'air toujours aussi gros. C'est moi ou. Ouais, moi je vais bien, merci. Bien, j'espère que toi aussi. Merci, merci. J'ai l'impression que c'est toujours aussi gros. Bizarre. Parce que le nom du spectateur, je peux agrandir quand même, mais. Voilà. 3. Couleur de texte. FunFan va pas être content du. Oui, je lui ai envoyé un message privé. Ouais. Mais comme il est pas là, je me demande soit il est encore à table, soit il a zappé. Mais il pourra pas dire que je l'ai pas prévenu. C'est pas grave. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Bon, je garde l'onglet sous la main, on sait jamais. Mais attends, vas-y voir que je retourne rapidement sous Forest. C'est vrai que le truc est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'île, c'est magnifique. J'avais fini le jeu, je l'avais fait il y a 3 ans déjà, le temps passe trop vite, en 2020. D'ailleurs, c'est ma saga actuellement sur ma chaîne YouTube. Je fais mon tour de promo encore une fois. Tous les dimanches, je vous diffuse un épisode qui dure au moins une heure. Enfin, du moins en moyenne. De mon 100% sur The Forest. Là, actuellement, il y a tout le monde qui est sur la suite qui s'appelle The Song of the Forest. Je le ferai très probablement un jour, mais pas maintenant. D'ailleurs, je l'ai pas acquis. Mais comme vous le savez, nous avons 14 milliards de jeux en catalogue à faire. Il s'habille bien pour Grun ce soir chez Bastos. Aïe. Bon, mais ça m'a l'air, je regarde mon retour tablette là comme si j'étais l'un d'entre vous à titre de téléspectateur. Ça m'a l'air bien. Oh, un lézard. On va courser les lézards. Les lézardoumes. Oh, une pantoufle, un patin. Tu peux mettre le pied dedans. C'est rigolo. Bon, allez, faut que j'arrête de faire mon idiot, moi. Bon, bah, ça a l'air correct. Ouais, le fameux Song of the Forest. Ça m'a l'air correct. Et ben, je me demande si j'ai pas amélioré mon installation et mon paramétrage. Tu as... Oui, alors justement, le fait de diffuser sur deux PC, c'était le week-end dernier. Et comme c'était pas cool, parce que j'avais juste mon USB cigare, là, pour capter le signal, ça dégradait trop, je suis revenu à un seul PC. Mais, en touillant... Attends, je vais lancer un autre jeu, pour faire continuer les tests. Mais en touillant... Oui, Dying Light, il manque beaucoup d'énergie, Dying Light. D'ailleurs, je vais couper la... Enfin, mettre pause la musique, parce que Dying Light, il y en a inclus dedans. J'ai changé mes câbles, et puis j'ai eu une révélation au moment quand j'étais en config de PC, si tu veux, parce que... Ah oui, merde, faut que je regarde le chat aussi, parce que si je vous vois pas, ça va pas le faire. Yo, FunFan, bonsoir. Je me suis rendu compte en faisant ma manip de PC le week-end dernier... Que à un moment je perdais le signal, j'avais un câble HDMI qui était trop long et j'avais mon stick USB d'acquisition qui alternativement faisait la mire, le bon signal et la mire, et ça toutes les secondes. C'est un truc hyper pénible. J'avais beau avoir un système où je peux brancher sur le secteur pour amplifier le signal électrique, ça marchait pas. Donc mon câble était vraiment trop long. Il y avait une perte de ce qu'on appelle la portance, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait une perte là-dessus. Depuis 2 mois. Ah, tais-toi la voix off, c'est moi qui parle ce soir. Et du coup, bah, j'ai réfléchi à, en rebranchant tout en monoposte, on va dire. J'ai pris soin de m'assurer d'avoir les bons câbles au bon endroit, quoi, du pas trop long, etc. Et je me pose la question... A savoir qu'en plus, au niveau de la carte principale graphique,
je capte non pas la sortie primaire, mais la secondaire. Et j'ai l'impression que ça marche mieux, sachant que je garde la primaire pour mon écran. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Et je trouve que c'était plus performant, plus fluide. Et tout à l'heure, là, il y a 2 heures, j'ai bidouillé sur OBS le ratio d'encodage. Donc, je dis à OBS d'être en priorité maximale, enfin du moins très haute, parce que maximale, il ne faut pas exagérer non plus. Et je demande l'option, en cherchant bien dans les menus, de demander à ce qu'il y ait peu de latence. Et c'est comme ça que je m'en sors bien. Tu vas pas regarder utiliser le NDI, pas besoin de carte, toutes les décisions, ça passe par le réseau. Oui, mais ça va m'emmerder pour d'autres raisons, TwinSense, que je développerai pas. Parce que en fait, il faut avant tout que je garde mon ordi actuel pour bosser sous Linux. Et je veux pas m'installer trop de trucs et trop bidouiller sous Windows qui me sert au loisir le week-end. Sachant que sur mon réseau interne, j'ai d'autres trucs qui tournent. Donc je veux pas non plus saturer le réseau. La 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 la. Alors, Dying Light, c'est très intéressant de le tester parce que... Tiens, je vais peut-être faire une petite sortie rapide. Vous allez voir que je vais me faire liquider, mais c'est pas grave. Dying Light, c'est donc le jeu que je sache qui met le plus mon ordi sur les genoux. J'ose pas parler de... Oui, j'en ai profité tout à l'heure pour même, je vais améliorer ma config au niveau des touches. C'est vachement bien ce que j'ai fait, ouais. Mince, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je considère pas Planet Crafter parce que ça lag de temps en temps, mais c'est parce que c'est pas optimisé et que... C'est Craig ? Vous m'entendez là-dedans ? T'es qui, toi ? Ici Tolga. Et Fatine ? Nous travaillons pour Monsieur Dahl et nous avons quelque chose à vous confier. Venez vite par ici et que ça saute. Il parle pas comme ça, Tolga, c'est impoli. La ferme, Fatine, lâche la radio. Tu vas le rendre dingue, espèce d'idiot. Alors ça, c'est les jumeaux. Me frapper, moi, je vais te tuer. Spéciaux, en effet. Génial. Alors, je pensais pas déclencher un truc de la quête principale. C'est dommage, là, parce que je... Officiellement, je suis pas en train de jouer. Je suis en train de tester l'ordi. Merci, Christella, pour le relais chain. Pardon, je t'ai pas remercié. Parce que du coup, je suis à la fois concentré dans le jeu... Et en train d'essayer de jeter un coup d'œil à ma tablette pour voir le retour. Merde, pardon, excusez-moi. Bonsoir Bastos, j'espère que je mets devant en personne, pardon. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. C'était quoi le dégagement? Là, 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 là. Mon dieu. HP E. Oh, mais c'est quoi la touche E? Ah, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Allez, dépêche-toi, on est en retard à cause de toi. Bon, ça a l'air pas mal. Je sais pas si vous avez observé des lacs. Re, Christella, merci, hein, c'est très gentil de ta part. Parce que du coup, comme je fais des tests au niveau du... Oh mon dieu. Je pensais pas l'avoir du premier coup, lui. Ah, c'est dommage que je déclenche les sons de la quête principale. C'était pas souhaité. J'aurais pas dû sortir, finalement, du Schmidbeek. Leur tab... Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Énorme. Bon, bref. Ça n'a pas l'air de trop laguer. Doki Woki marche mieux. Attends, je vais charger les étages supérieurs. Oui, tant pis, on va rater le petit passage avec les jumeaux là où ils parlaient. Mais bon. Parce que je...
Ouais, c'est comme si une phase de test. Oui, du coup, il m'a sauvegardé automatiquement, évidemment, quand je monte à l'étage, puisque c'est un écran de chargement. Mais bon, bref. C'est pas grave, je ferai un petit topo quand je reprendrai officiellement le week-end prochain. Ça a l'air correct. Je m'étais amusé à ça tout à l'heure en enregistrement en local la vidéo, voir si ça ramait ou pas sous OBS. On est d'accord pour vous, c'est correct? C'est pas trop flou, ceux qui essayent de regarder en 720p. Je sais pas si vous arrivez à lire la petite police de caractère de Dying Light là au niveau des objectifs à droite. Et ce que je vous envoie m'a l'air d'être à peu près fluide. Bon, je vais arrêter de tourner toujours en rond au même endroit. Bon appétit hein, pour ceux qui passent à table. Je présume que vous êtes en train de miamer. Moi, j'ai pris les devants pour déjeuner avant de prendre mon antenne test. Au moins, je suis peinard. J'ai pu me poser des questions au niveau du bidon. C'est le confort pour moi. Oh, c'est beau. Bonjour Elogir, comment ça va? Enfin plutôt bonsoir vu l'heure. Tu vois mon petit direct sauvage de test. La 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 la. Ouais, tranquillou. Oui donc hein, j'ai pas pris le temps, comme vous l'aurez constaté, de rajouter ma webcam. J'ai foutu ma photo là quand j'ai été jeune, beau et fringant à 20 ans. Parce qu'on est en semaine. Moi, je suis pas censé. Oh, j'avais pas vu cette vue là. Ah, c'est vertigineux. Brrr, j'en ai des frissons. Ah, faut pas que je regarde, je vais avoir le vertige là. Oui, vous me retrouverez ma frimousse samedi matin, vous en faites pas. Parce que non seulement j'ai pas branché, j'ai plus de port USB dispo sur l'ordi. En étant en mode de travail, là j'ai plusieurs clés USB ou disques durs branchés dessus. Et puis il y a mon décor, vous savez, ma toile de fond que je pose en arrière-plan là. Oh la vache, on voit rien de rien, lumière. La partie ombragée du. De l'immeuble. Hop là. Et là, hop là, allez, on va faire la 4G. Ah oui, il le fait en plus. Oh! Alors ça, je m'y attendais pas par contre. Non, sérieux? Ah ouais, je suis posé sur les antennes 4G. Ou 5G. Ou 6G. Ou GG. Les antennes GG. Bon, c'est fluide. J'ai failli dire c'est flou. Oh, je sens que j'ai mieux réussi mon paramétrage et mes réglages. Vous pestez pas dans le chat, donc c'est bon signe. Oh, ouch, oh merde. Là, c'est l'image bien, mieux que le week-end dernier en tout cas. Oui, alors le week-end dernier, j'ai envie de te dire, ça compte pas, Christella, puisque c'était spécial de PC en PAL, entre guillemets, PAL sécable. Oui, vous allez retrouver la qualité d'avant, mais peut-être en mieux, avec plus de fluidité. Voilà, 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 voilà. Bon, je vais pas en faire plus. Oh là, il est déjà l'ennemi. Je voulais tester quoi d'autre? Je voulais tester Minecraft aussi. Alors, Minecraft, je l'ai même pas essayé depuis que je suis revenu dans ma config d'aujourd'hui. Je l'ai pas du tout lancé. Je pourrais peut-être même tester un simulateur automobile après un. Ou peut-être le faire tout de suite, tiens, pour le délire. Allez, hop. Tant que je suis dans la grosse boutique Steam. Mes vroom vroom, ils sont mes vroom vroom. J'avais quoi de qui bouffait? Parce que je pense que je pourrais prendre un. C'est là où je vais voir. Ah, bah non, Project Car, je voulais essayer, mais non, je l'ai pas téléchargé. Quel nigo je fais! Quel jeu qui pourrait bouffer de la puissance de calcul? Oui, je ne suis plus sur deux PC là, je suis revenu à un PC. Ouais, ouais, monoposte. La 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 la. Oh, n'essayez pas de faire rager le pauvre fun fan va. Oui, donc du coup, j'ai pas jeu de tuture finalement. Je dis des âneries, j'en avais un en tête, mais comme il n'est pas installé.
Ouais, allez, on va faire du Minecraft. Peut-être qu'en testant Minecraft, j'aurai une idée qui va me venir en tête. Qu'est-ce que j'aurais d'autre qui boufferait à mort de la puissance de calcul? La question qui tue. Ah, Red Faction peut être une bonne idée. Surtout que je l'ai installé, mais je l'ai jamais lancé. Alors, les Red Faction, qui est une superbe saga, j'ai fait les deux premiers opus. Si je dis pas de bêtises, je crois que vous pouvez déjà y accéder sur ma chaîne YouTube. Je crois que les deux opus, je les ai publiés. Si c'est pas le cas, ça viendra dans le futur. Je sais plus où j'en suis, moi, dans ce que je vous ai balancé de la vidéothèque YouTube. Il faudrait que je pointe à l'occasion. Donc si vous avez des remarques, suggestions, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'être là. Non, c'est pas vrai, vous êtes 13. Je vois mon compteur de spectateurs qui s'affole là. Aïe aïe aïe. Je sais pas si. Genre, j'ai pas vérifié par exemple Poupon ou Bastos. Ah oui, Bastos, tiens, tu fais pas un direct? Parce que Poupon, je crois que je vais faire un relais de chaîne il y a pas si longtemps que ça. Parce que si je tiens jusqu'à 21h, écoute. Ce serait peut-être l'occasion que je te cède le relais de chaîne, Bastos. Oui, sur le fameux Grunts. Ah, bon, bah alors, c'est bon, je te fais le relais de chaîne. Ça, ah oui, alors oui, voilà, fun, tu vas être en joie, du coup. El famoso Grunts. Ah oui, ça va être intéressant pour moi de vous regarder. Eh ben, on va faire comme ça. Oh, puis Poupon, je pense que j'aurai des occasions. Peut-être bah, le dimanche, là, comme il va se mettre à faire les Lego. C'était bien son premier direct Lego à Poupon. J'ai pas vérifié la qualité de mes paramètres graphiques. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois qu'ils sont S. Ah oui! J'avais fait un petit passage chez Torota. Enfin, sur sa chaîne. J'avais complètement zappé. Ah oui, c'était rigolo, tiens. Alors, résolution, avion, biocin, graphisme détaillé, distance affichage 12-12, image max 60, c'est trop, 30, ça suffit. Éclairage adouci, oui, synchro vertical, oui, mouvement blablabla, vive, ombre, unité, niveau de détail à top, ok, top délire, méga groove. Alors, il me dit en affichage, pardon, c'est du technique. Oh, j'ai 20 images presse. Oh, j'ai pas les 30 images secondes. Ah. Merde. La nuit est passée. C'est Bastos qui l'a dit, quoi. Trop de fatigue avec sa journée de menuiserie. Message de FunFan 1992. Poupon a signalé sur son Discord qu'il ne streamait pas ce soir. Ok, oui, trop de menuiserie, ok. Bon, bah voilà. Merci pour l'info. Pourquoi j'ai pas tant d'images secondes? Vous voyez la deuxième ligne juste en dessous de mon indicateur de spectateur 13? C'est FPS, frame per seconde, image par seconde, pour ceux qui ne connaisseraient pas le fameux terme. J'ai pas 30 images secondes. J'ai pas l'ultra fluidité. Comme quoi, j'ai bien fait de choisir Minecraft pour tester. Ah! Qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que ce soit plus fluide? Peut-être baisser la distance de simulation un peu. Ça aide ou ça aide pas? Non. Non, j'ai 20 images secondes. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, puis une fois que c'est fait, j'y touche plus. Après, je fais grave. Hein. Si je mets illimité, qu'est-ce qui se passe, le coup des FPS? C'est la chianli ou c'est, comme dirait le général de Gaulle, ou c'est bien? Ah. Oh. Non, c'est pas top. Bah merde alors. Bah, oh, c'est tellement... Bah, 45 images secondes, mais ça va pas, non? Bah, qu'est-ce qui fait que je passe de 20 à 45? Là, je suis carrément en 50.
Je vais faire le test, vous savez quoi, en prenant un wagonnet. Pour le mouvement, le fait de charger des portions de monde. On va voir si ça met l'ordi en PLS ou pas. Ce soir, direct spécial technique. Ouais, les codes de carte bancaire, ouais. Informatique. Bonsoir, Nayonet. J'espère que tu vas bien. T'es dans ma petite phase de test. Bah, en sous-sol, j'ai carrément 60 images secondes. Mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a moins de texture. Là, il y a pas mal de roches, donc c'est quasiment toujours la même texture. Alors qu'en extérieur, il y a plein de cubes différents à gérer. Ah, non, c'est pas être au niveau de la mémoire vidéo. Quelle sature la carte vidéo? J'ai 1 giga, ça suffit pour les textures de base de Minecraft. Minecraft, c'est devenu si boulimique que ça? Oh. Bah merde alors. Bah je vais retourner en surface. Et sinon, c'est correct, mais au début, on a bien vu que j'étais à 20 images secondes. Voilà, là, il commence à galérer, là, l'ordi. Ça joue à pas grand-chose, hein. Ouais, c'est quand je suis là, ça se... J'arrive à passer sous la barre des 30... Voilà, 28. Bon, ça reste correct. Je pense qu'on peut dire que le test est concluant. Bon, ça va. Je suis juste à la limite. J'ai vraiment optimisé l'ordi comme il fallait. J'ai même pas vérifié mon retour tablette. Mais vous avez pas pesté, donc ça veut dire que c'est agréable à regarder. Bon, bah c'est bien. Je fais l'idiot, ça sert à rien, mais bon. Hop là. Ah oui, centre communautaire, j'en reviens au jeu. Attends, j'ai pour Torota, mais j'ai pas Dragon Sky dans le... Oh, il y a Nayone, mais il n'y a pas... Bon, je me déconnecte ici. La prochaine fois que je joue, je penserai à Dragon Sky, à lui faire son panneau de... Parce que lui aussi, il y a droit. Bon, bah, c'était pas mal comme test. Tiens, essayons Red Faction Armageddon. Je l'ai jamais lancé, comme vous pouvez le voir. Oh, le boxon. Burp. Voilà, là vous voyez tout. Installation de... Oh. Oui, c'est plus beau. Bon, bah c'est bien. C'est que j'ai bien peaufiné les paramètres. Là, je peux remettre la zig par contre. En arrière-plan. Du coup, il me reste encore 20 minutes. Le temps passe à une vitesse. Oh, horrible. Bon, je suis rassuré de me dire que l'ensemble est redevenu comme avant, mais en mieux. En légèrement mieux, hein. Forcément, il n'y aurait pas pu avoir de miracle. Mais bien configuré avec les bons câbles. Ah, oh, c'est dingue. J'aurais une perte de qualité parce que j'avais branché un câble trop long. C'est ballot, mais apparemment ça a été ça mon souci. Incroyable, mais vrai. Oula, il met son temps. Voilà. C'est une image passionnante. J'ai rien d'autre à vous dire. Ah bah c'est dommage que Poupon soit pas avec nous. Il est peut-être déjà en train de ronfler, là, de dormir, le pauvre. S'il est KO par ce qu'il fait. Mais on l'embrasse, Poupon. Ouais, que je te dise. J'ai vu que j'avais pas pris en compte. Il avait acheté le fait de porter un chapeau. Le chapeau de son choix. Et je l'ai crédité du double du montant en guise de dommagement dans ses comptes Berga, là, la monnaie de chaîne. Mais il me fait quoi le jeu? J'ai le petit sablier, c'est bizarre. Oui, si vous voyez mon curseur. J'espère qu'il n'est pas en galère pour l'installation de DirectX. Oui, bon. Voilà. De l'intérêt. Ah, voulez-vous voir le truc à dire? Nope. Recommander 10, 11. Oui, bah je peux faire le 11. Justement, je vais mettre mon ordi sur les genoux. C'est la première fois que j'enche le jeu, hein, je préviens.
C'est là où ça va être une catastrophe, on va avoir deux images secondes. Le jeu est trop puissant. Mais... Non, normalement le jeu là il est sorti à une date antérieure avant Dying Light. Donc les standards de l'époque étaient moins gourmands. Enfin moins exigeants. Oh c'est mignon comme... Oh j'aime bien la présentation. C'est stylé. Oh, toutes ces technologies, il y en a trop. Oh, la classe. J'aime beaucoup. Ah bah, du coup, je vais couper la musique. Ah, en 2011. Ok. Ah, puis, attention, n'éteignez pas lorsque vous voyez... Blablabla. D'accord. La luminosité, je veux l'augmenter. Je vais mettre 80 parce que quand tu diffuses en général à la diffusion tu vois moins bien. Alors, soyons fous. Vidéo à donf. Attends, déjà la musique doit être un peu forte. Le jeu on lui dit tais-toi. Tais-toi. Oui, c'est pas mal, 50. J'étais presque. Ah. Le mec qui cherche le dans le détail. Bon bref. C'est n'importe quoi. Non, il veut pas retourner dans l'audio, il veut aller dans la vidéo. Oui, c'est ça. Ça c'est ma résolution, je suis en 720p. Gamma méga kappa, d'accord, format intégré, blablabla, fiche HP à l'écran, ça convertit qu'à lui. Oh là là, oh là là. Ok. Oh, je vais être méchant. Je vais mettre sur élevé. Je vous dirai, je vais tout faire planter. Standard. Élevé. Tout à fond. Allez, on fait tout péter. Ah. Bonsoir, Tomov. Comment ça va? Merci à toi d'être là ce soir. Je fais une petite phase de test. Quoi, je... Ah, c'est les options du jeu. Ciblage auto, machin. Oui, ouf. Test, puisque je suis revenu à configuration monoposte. On va faire tranquille, hein. Je suis pas là pour me faire trucider, mais... We settled Mars over a century ago. Ah, est-ce qu'on voit bien les vidéos? Making this dusty rock our home wasn't easy. Ouais, bon, bref. But the promise that led us across the valley was freedom. Alors, je vais passer la vidéo. Something my family's bled for many times. Enfin, si je peux. Ah, moi, je vais faire pause. We Masons have fought. Attends, j'ai fait échappe. Oh, oh. Darius. Darius, this is your situational awareness module. Are you still functional? Yes, Sam. Oh. I need to assess your vitals. Sam, this isn't the time to... Look up. Are we done, Mother? Diagnosis complete. You have a slight concussion. Oui. Alors, j'ai le contrôle okay, de la vie, Sam. Quoi. Assessing combat reflex. Please focus on the target. Attends. Alors, le jeu a l'air d'être pas mal. Par contre, je comprends pas le coup de la vue parce que... Pourquoi ça se barre vers le haut? Je dois avoir un joystick qui est déclenché. Je sais pas quoi. Ah oui! D'accord, il veut que je joue à la manette, lui. Il est fou. Le jeu est fou. D'accord. Là, j'ai pris ma manette en main. C'est pour ça qu'il y avait l'affichage façon console. D'accord, ne jamais lancer un jeu que t'as jamais configuré quand tu fais un direct. Ah! Mais non, mais je m'en fous. Ça y est, je suis en train de tout casser. Oui, ça va bien, Tomouf. Non, pas de caméra ce soir. Ah, le son est encore un peu fort, oh mon dieu. Pas de caméra ce soir, parce que j'étais pas censé diffuser. Je diffuse pas dans mon en semaine. On va mettre 40, allez. Non, parce que j'ai besoin de tester pour le week-end prochain, que j'ai pas à faire ça vendredi soir pour le samedi matin. Là, tant que je peux avoir un peu de temps pour moi le mercredi soir, au lieu de jouer à Minecraft, vous voyez, là, je profite mon truc. Bon, le jeu a l'air d'être beau, mais au niveau des contrôles, c'est une catastrophe. Est-ce que je peux dire ignore la manette? Paramètres de manette. Ah, je peux pas dire ignore la manette. Ah, oh mon dieu! Il interprète comme étant de la Xbox.
Secourir, choisir une arme, viser. Oh là là là. Eh bien. Bon, bah j'ai pas l'air débile parce que. Je sais pas comment faire la manette pour le la vue. C'est bizarre ça. Bon, en tout cas, le jeu a l'air d'être beau. Hein. Ça a l'air d'être fluide. Moi, il m'annonce 60 images par seconde. Ouais, try again, ils sont marrants. Eux. Non, mais c'est injouable leur truc. Bon, j'ai fait un mauvais choix de jeu. Papadapada. Faudrait que je le configure longuement le jour où je vous le ferai en direct. Retourner au bureau. Accepter. Alors. Qu'est-ce que je peux tester d'autre? Ah, Rage, c'est vrai que c'est dommage que je ne l'ai pas installé parce que je sais qu'il aurait pu mettre à plat aussi à genoux mon ordi normalement. Je regarde. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas mal de vieux jeux. Ah, Half-Life peut être pas mal. Vas-y voir que j'essaye Half-Life d'installer. En mettant les graphiques, ça doit être sympa. Half-Life 2 que je devrais vous faire puisque j'ai fait avec vous tout le 1. Je sais pas quand je vous ferai le 2, je sais pas. C'est vrai, c'est merveilleux. Alors, menu. Déjà c'est honteux, le chargement il me le dit qu'il est à 24 images secondes. Je viens de m'effondrer à 1 image seconde. Tu parles, c'est une image fixe, c'est nul. Alors, oh, je me souviens pas que c'est si beau. C'est la citadelle. Oh, commentaire du développeur. Tiens, c'est intéressant ça. Option. Non, je. Attends, audio doit être un peu fort. Voilà. Je mets le son pas enfin, moins fort. Non, c'est surtout la vidéo, on peut s'en mettre plein la vue. Quand écran. Avancé. Tout reflété, élevé, active, élevé, élevé. Ah, il fait que du DirectX 9. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un vieux jeu. Bon, bah, impeccable le son. Ok. C'est cool. Merci hein, du retour. Merci tout le monde. Chargé parti. Je pense pas que j'en ai. Bah oui, tu parles. Nous, besoin de s'alarmer. Plus. Ah. Pourquoi il n'y a que 5 grands chapitres? Ah oui, c'est vrai que c'est par épisode. Oh là là, oui, à l'époque. Oui, mais je risque d'avoir une intro scriptée. Je ne vais pas pouvoir déambuler de mon propre chef. Donc pour faire des tests de qualité, ce n'est pas forcément le scénario idéal. Il me dit déjà que j'ai 60 images secondes. Oui, mais l'écran est noir. Ah oui, je crois qu'on démarre dans le train. Docteur Freeman, répondez si vous le pouvez. Vous avez tant détruit. Mais dites-moi, qu'avez-vous créé exactement? Vous pouvez citer une seule chose? Non, vous ne pouvez pas. What the fuck? Je me souvenais pas de l'intro. Enfin, ouais, il y a la demoiselle, Alix. Voilà. Il faut des incantations magiques, méditation collective pour distordre l'espace-temps. Et nous voyons Nashevman qui joue à Salt and Sanctuary. C'est encore mes motifs. Pas de ça, dis donc. Bon, voilà ce que je disais, c'est une intro scriptée, donc je suis pas libre. Donc je peux pas dire que c'est un test de rue d'épreuve de l'ordi. Nul besoin de s'alarmer, oui.
Hey, il a pas toute sa vie. Gordon, j'étais si inquiète. Ah si, je peux bouger la tête. Hey, ouais, le pistolet. C'est 69 secondes, ça rend bien. Attends, je peux me barrer. Ah oui, je veux bien, rends-le-moi. Ah merde, j'ai pas les bonnes touches. Ah, je peux zoomer. Ah merde, j'ai pas du tout les bonnes touches. Allez. Regardez, Gordon. Chien est content de vous voir. Ah, m'en parle pas. Ok, chien. Va installer l'écran pour communiquer avec papa. Bon, voilà. Oui, ah, bon, c'est... Inquiet. Je devrais pas avoir de soucis pour... Ce sentiment chevron, quoi. La citadelle tombe en ruine. Oui, alors, ça fait bizarre de courir à travers les ruines pour voir si tout est fluide. Ça fait débile, mais bon. La chute de Brine... Là. Bon, moi je dis que le test est concluant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Chien m'a sorti les décombres. Bon, bah c'est bien, c'est de bon augure tout ça. Non, ne pas se regarder, j'ai honte. C'était l'intro d'Alpha F2 épisode 1. Aïe. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore en test qui bouffe de la puissance de calcul? Je vois rien. Ah, Salt! Ah ouais! Alors, Salt, pour vous le présenter, c'est le... Oui, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux, oui. C'est le... Merde, comment ça s'appelle? J'ai presque envie de vous dire que c'est le... Raft ou le... Oui, plutôt le Raft du pauvre. Et encore, je sais pas si c'est comparable. Un peu Sea of Thieves aussi, parce que tu récupères des navires. Oui, Graphic Quality, je vais mettre à fond. Aujourd'hui, je peux me le permettre. Tac. Ok, play. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé plutôt à ça? Le sel. Le sel dans nos yeux. Papa. Pipidipipipou. Bon, en tout cas, voilà, dans 10 minutes, je ferai le chaîne à Bastos pour le Gons. Oh, cette musique! Cette musique est trop puissante. Voilà. J'ai un peu trop baissé la zig. La. Alors, blum. Brightness, champ de vision, shadow distance, shadow machin. Cloud resolution à fond. Allez, je peux me le permettre. C'est fini l'époque où j'avais les jeux en basse qualité. Foliage distance, graphs on the red. Allez, on est fou. Allez, forte végétation. Allez. Distance d'ombre. Non, attends, on va se calmer un peu. 512, ouais, c'est déjà pas mal. Champ de vision, blablabla. Brightness, foot resolution, traction. Oh, bah ça va être beau ça. Allez, maximum. Oui, bah oui, j'ai des presets définis. Allez, l'autre preset. En maximum, ça fait quoi? On va tester. Mince. Ah, j'ai pas de... Ah, ça fait... Oh, d'accord. Je me souviens même plus que j'avais pas. Treasure Fisher, normal, nanana... Oui, une graine par défaut. Ah, alors là, c'est le test surprise pour moi-même. J'y avais pas pensé. Et je me souviens que à l'époque où j'y jouais, où j'avais pas cette carte graphique actuelle qui est la GTX 1050, j'avais une 460 GT. Et je devais jouer presque avec les graphismes au minimum. Ah, j'ai pas 60 images secondes. Hein. J'en ai 32, il me dit. Ah, c'est intéressant. Mais là. Oh, ça rame.
Ah merde! Ah, vous, Saram. Là, il y a un mort. Ouais, ouais. Je vois ça. Attends. J'ai clac, clac, clac. Et ben voilà un bon choix pour le avant de faire le relais de chaîne. Alors, mi bastos. Là, je cours colchique dans les prés fleurissent, fleurissent, comme dit la chanson. Saram, 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 Saram. Alors, je vais baisser. Je vais jouer sur les presets. Je vais... Alors, je vais faire... Comment ça, normal? Bon, on va faire normal. Alors, en normal, est-ce que ça rame à nouveau? Je repars dans l'autre sens. C'est bien tout de suite, tu dis, c'est mieux. Merci, Vincent. Et voilà, on commence avec un radeau de fortune. Et puis en fait, faut... Alors c'est un monde généré de manière aléatoire. Je sais plus, il y a une carte. Ah, il faut peut-être la concevoir, la carte. Le jeu est pas mal, hein. Dans la durée, moi j'aimais bien, mais je suis jamais allé au bout. Ça se présente comme un échiquier, une grille de bataille navale. Et en fait, c'est à vous de repérer les îles. Ah, je suis allé au nord, au sud, machin, il y a différents biomes. Alors, les piafs, on peut les dégommer avec un arc et des flèches si vous voulez bouffer ou récupérer des plumes. Alors, allez-y pour dégommer un oiseau en vol. Je vous dis pas comment c'est balèze. Mais c'est rigolo. Ah, est-ce que l'île du début, on peut trouver une pomme, un fruit à l'arbre? Je sais, de temps en temps, de manière aléatoire, c'est comme dans Minecraft. Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Il y a une pomme à décrocher à la main ou à l'arc, justement, dans les arbres pour pouvoir bouffer. Je suis en train de me planter. Je t'ai envoyé un lien pour intégrer Winamp dans OBS. Ah, ça va être rigolo ça. Merci, c'est une scène. Ah, que je regarde ça rapidement ce soir. Pla, 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 pla. Bon, est-ce que ça rame? J'ai pas l'impression. Alors, on voit pas beaucoup qu'on est dans les arbres en ombragé. Je retourne sur la plage. Ah, me casse la figure. Le fait de me casser la figure, ça rame ou c'est... Oh, c'est juste comme il faut. C'est comme Daylight, c'est correct. On sent qu'il y a quelque chose de perfectible, mais ça fatigue pas l'œil. Ah oui, il y a les fleurs, les végétaux ramassés aussi. Ah, mon Dieu. Mais tes musiques devraient être bien taguées. Ah. Ouais, je regarderai ça soit une scène. Merci pour le lien. Bon, bah c'est pas mal. Là, je vais mourir dans les flammes de l'enfer. Même pas. Le jeu a même pas programmé le fait de mourir cramé. Qu'est-ce qui se passe si on regarde sous l'eau? Ah, il n'y a rien à voir. Je crois que je peux même pas me baisser. Non, il n'y a pas de fond marin. Je suis pas censé aller à la nage faire quoi que ce soit. Je l'avais bien aimé le jeu. Je sais plus quand est-ce que je m'étais frotté. Je m'étais frotté le temps d'un printemps ou d'un été, je ne sais plus. Je sais même pas si je l'ai passé la centaine d'heures sur ce jeu-là, peut-être pas. Je suis peut-être lassé assez rapidement. Je sais que j'avais vaincu un boss qui était spécial, un succès. C'était une araignée géante de nuit sur une montagne. Et j'avais trouvé excellent, j'étais surpris d'ailleurs quand l'araignée m'a mis grappin dessus. Je m'y attendais pas et j'ai flippé. Il y a des sorciers, il y a évidemment des pirates. Et c'est rigolo. C'est rigolo. Bon. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça y est, Bastos a lancé. Hop, je quitte. Non, je sauvegarde pas, je m'en fous. C'était un test qui compte pour du beurre. Pour du bouir. Ah, bah, c'est bien ça. Alors, allez-y voir que je regarde. Donc, Bastos a lancé. Bastos a lancé. Merde. Ah, j'ai trop de chaînes qui font trop d'audience. Donc, du coup, je vois pas le pauvre Bastos dans ma liste. Ah là, oui, il y a 14 milliards de diffuseurs ce soir. Voilà. Alors, Red, Bam, Bastos. Hop, c'est parti.
Ah non, il me dit une recognize. Attends, je vais le faire dans le chat, ce sera bien. Oh, si j'écorche son... ça va le faire. Voilà, le relais de chaîne a été créé. Bon, bah c'est cool. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là pour le petit test de ce soir. Donc, je vais voir mes données d'enregistrement, mais ça devrait être pareil qu'à la diffusion. Et j'espère ne plus avoir touché avant longtemps à, on va dire, mon gros paramétrage. Merci hein, FunFan, pour ta présence, le contrôle et la modération, etc. Merci Twinsen. Tu as pris une douche pour mieux en parler. N'importe quoi. Ah là 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 là. Bref, merci à vous d'avoir été là. Je suis content de mes tests. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Donc, moi, je vous retrouve samedi matin. Je sais pas ce que je ferai samedi matin. Là, j'aime bien le rendu, hein, quand même. Même si ça fait affichage pour vieux, là, comme tu dis, tu une scène. C'est cool. L'affichage en 16/9. C'est exclusif au 16/9. Sinon, tout ce qui est 4 tiers ou autre plan, on revient à ma manip de chat habituel. Voilà, allez, on file chez Bastos. Prenez soin de vous. Bon restant de semaine. Bon courage pour la suite. Wally Walou. Moi, je vous dis à samedi matin. Alors, je vais regarder le lien que tu m'as envoyé. Tu une scène pour intégrer Winamp à OBS. Et tiens, faut que je regarde si j'ai pas des messages à répondre sur Discord. Ça y est, on a basculé chez Bastos. Merde, c'est pas, non, c'est stop streaming que je voulais faire, voilà. Et seulement après, je fais arrêter l'enregistrement.